J'avais prévu quand même le samedi soir de faire ma demande en mariage. Ah oui, c'était pensé. Ah oui, c'était quand même bien calibré. Et pas de bol, samedi soir, l'hôtel qui me dit « On est vraiment désolé, mais il n'y a plus de place au restaurant. » Ah oui. Et donc je lui dis « Mais attendez, je viens. » Donc en compensation, on vous met au dimanche midi. Ouais, mais vous comprenez pas, moi samedi soir, je peux lui demander ma compagne en mariage. Et dimanche midi, c'est moins... Dimanche midi, c'est moins fun. Et pour le coup, en compensation, on a eu le droit à la chambre la plus luxueuse de tout l'hôtel. D'accord. Donc c'était quand même un bon compromis. Mais alors, vous l'avez fait quand, votre demande? Et alors, pour le coup, je l'ai fait quand même le dimanche midi. Et il valait mieux, d'ailleurs. D'accord. Il valait mieux, d'ailleurs. Et le dimanche midi, pour le coup, j'ai pris à parté toute la salle du restaurant. Du coup, pour... Pardon, j'imagine. Alors, excusez-moi, messieurs, dames. De vous déranger. Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Gendal. Vous pouvez continuer à manger. Pas de problème. Cependant, je voudrais vous prévenir. Ici, il y a Aurélie. Chantez. Petite musique, je m'excuse. D'habitude, vous êtes au fourneau. Je suis désolée. Ah, les pianos. Qu'est-ce que tu fais? Aurélie, j'ai bien réfléchi. C'est effectivement hier soir que j'aurais dû t'annoncer tout ça, Aurélie. C'est vrai, j'aurais dû lui dire hier soir. Pourquoi je ne l'ai pas fait hier soir? Pourquoi? Vous? Moi, je faisais la descente de l'Ardèche, je sais pas. Ça aurait été plus romantique de lui dire hier soir. Sans doute, oui, sans doute. Voilà. Sauf qu'Aurélie, on est dimanche midi. C'est tant pis. Mais on a eu la plus belle chambre. Oui. Ah, parce que moi j'ai une chambre pourrie. Hein. Oui, c'est celle qu'on devait avoir. Ah. Et seulement, comme on n'a pas pu avoir le restaurant hier soir, j'ai demandé une autre chambre et apparemment, on a eu une très belle chambre. À moins 30%, Aurélie. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, monsieur, moi je mange tranquille. Je viens en Ardèche pour être tranquille. C'est pas pour me faire emmerder avec un mec qui a la triche, j'en sais rien. Ah, ça va, là, on s'énerve pas contre monsieur, ok? On reste tranquille. S'il a quelque chose à dire, il le dit. Et toi, tu l'enfermes parce qu'il est trop balèze. Bon, moi j'ai plus faim, je vous laisse. N'énervez pas ma femme, ma future. T'as quoi? Oh merde! C'est pas comme ça que je voulais le faire! Efface tout! C'est pas comme ça que je voulais le faire! Non, il fallait sortir pour rien! Ne bougez pas! Vous continuez à manger, vous n'avez rien! Vous ne bougez pas! Je la refais! Traditionnel ardéchois, c'est super, c'est super. Claude. Oui, Jean-Pierre. Tu la connais, toi, là. Je te suis. Ah,